Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mathieu Vital, le responsable produit de la marque Uglu pour la société Rivolier. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme Eagle, qui est une gamme de fusils en aluminium très légère, avec plein de déclinaisons très sympas pour pouvoir se faire plaisir. Donc, avant tout, je vais déjà vous parler un petit peu de cette marque Uglu, qui est une marque turque. Donc, Uglu, c'est le nom de la marque, mais c'est également le nom du village en fait où l'entreprise est implantée, donc pas très loin de Konya en Turquie, à l'est de la Turquie. Voilà. Et la particularité de cette entreprise, c'est que c'est une coopérative au sein de laquelle tous les employés sont actionnaires à part égale. Ils élisent un président, et voilà, tout ça pour dire qu'ils sont tous très investis dans la qualité et dans la production des produits, parce qu'ils en sont tous responsables. Voilà. Donc, ils produisent des fusils superposés, également des fusils juxtaposés pour la chasse du petit gibier et également du gros gibier, parce qu'en Turquie, là-bas, ils n'utilisent pas de carabine pour la chasse du gros gibier. Donc, ils ont quelques modèles gros gibier qu'on va voir par la suite. Et ils ont une gamme qui est très intéressante pour la chasse en France, qui est la gamme Eagle. Donc, j'ai ici le modèle le plus traditionnel, donc le calibre 12, canon de 71 cm, vraiment le fusil passe-partout que je vais vous présenter. Et ensuite, on verra les différents modèles de la gamme qui sont un petit peu plus spécifiques chacun pour pouvoir avoir d'autres usages, se faire plaisir et découvrir d'autres choses. Donc, je vous présente ici le calibre 12 et les éléments qui sont communs, on va dire, à tous les modèles de la gamme, à savoir, comme je le disais, une bascule en aluminium, qui présente l'intérêt d'offrir un poids très réduit sur le fusil. C'est vraiment l'aspect légèreté, ce qu'on recherche sur ce fusil-là, par sa bascule aluminium, également par ses canons à jouets. Voilà, ça permet donc de gagner un petit peu de poids. Et donc, on a également un aspect esthétique qui a été très travaillé sur ces fusils-là, avec des bois sélectionnés qui sont très sympas. Je vous ferai un zoom tout de suite après. Voilà, donc c'est du noyer turc. Voilà. Ils sont tous très sympas, la finition est très propre. On a une détente unique sélective avec le sélecteur qui s'actionne ici par le bouton de sécurité. Voilà, tout simplement, si on veut choisir son coup du haut ou son coup du bas, c'est très simple, hein. Fusil basique. Des gravures, donc je vais en profiter pour faire le zoom tout de suite dessus. Voilà. Donc, je repasse sur ce bois qui est très sympa. Pour ce niveau de gamme, on a des bois qui sont vraiment de très bonne qualité, très bonne facture. Voilà. On retrouve ici, hop, je me mets dans mon sens, une gravure avec une scène de chasse, une perdrix d'un côté, et je rebascule dans l'autre sens, un faisan de l'autre. Voilà, donc sur cette bascule qui est noire. On a donc une bande ventilée avec une mire en bout de canon, une mire blanche, mais on peut très facilement la changer, mettre un grain d'orge si on préfère. Voilà. Hop, tout bon armurier sera en mesure de vous changer ça. Voilà, donc le modèle, on va dire, le plus passe-partout. Et maintenant, on va voir quels autres modèles proposent cette gamme Uglu Eagle pour pouvoir se faire plaisir et s'adapter à ces modes de chasse, à ces pratiques de chasse. Donc, on a également, toujours en calibre 12, un fusil bécassier. Fusil bécassier, petit clin d'œil à la pratique de la chasse de la bécasse avec une gravure d'une bécasse sur cette bascule. Toujours cette bascule en aluminium. Hop. Donc, je ne l'ai pas précisé depuis le début, mais on est sur des poids aux alentours de 2,6 kg, 2,7 kg, en fonction des modèles et des calibres. On est vraiment sur des poids réduits,
C'est vraiment ce que recherche le chasseur quand il va crapahuter toute la journée avec son fusil, d'avoir quelque chose de très léger. Voilà. Donc, la particularité de ce bécassier, ça se passe au niveau de son canon. Au niveau des bois, c'est toujours la même chose. On voit ici qu'on a encore des bois qui sont très, très sympas, des noyers très sympas. Au niveau du canon, on a un canon qui est plus court, qui fait 61 cm. Voilà, on sait que pour la chasse de la bécasse, on va être amené à tirer des oiseaux dans des milieux assez fermés et à des distances assez proches. Donc, on a besoin d'avoir une bonne dispersion de la gerbe. Donc, un canon plus court va aider à avoir une gerbe qui va s'ouvrir facilement. Et donc, pour offrir toujours une très bonne dispersion de la gerbe à courte distance, il y a un canon qui est rayé à l'intérieur. Donc, ce canon rayé va permettre, en utilisant des munitions adaptées, d'avoir une très bonne dispersion de gerbe parce que la bourre, en fait, on va tirer une bourre jupe dedans qui va prendre le pas de rayure et en sortie de canon, les plombs vont vraiment se disperser plus facilement et à courte distance, on a une gerbe très ouverte. Je fais une petite aparté là-dessus pour vous montrer le type de munitions qu'il faudrait utiliser. On a par exemple la marque Joker qui propose des munitions pour la chasse de la bécasse spéciale rayée, spéciale canon rayé. Donc, pour avoir une très bonne dispersion de la gerbe à courte distance. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil en aparté. Voilà, pour ce fusil, donc Uglu Eagle Bécassier. Ensuite, on va retrouver dans cette gamme un calibre 20. Un calibre 20, c'est un calibre qui est quand même assez populaire pour la chasse en France parce qu'il offre un recul qui est plus réduit, mais des très bonnes performances balistiques. Voilà, donc c'était indispensable d'avoir ce produit dans la gamme. Donc ici, on est sur un canon de 71 cm. On a toujours le même principe de gravure avec la scène perdrix d'un côté et la scène faisant de l'autre côté. Voilà, donc un produit qui sera assez léger hein, parce qu'on sera sur un poids qui va faire 2,7 kg. C'est vraiment une plume et c'est très agréable à manipuler tout au long de la journée. Voilà, le calibre 20. Ensuite, on va retrouver, fusil très intéressant à avoir dans cette gamme, un calibre 28. Voilà, donc Uglu propose vraiment pour un prix réduit de 690 euros, un calibre 28, très bien fini. On a vraiment un look qui est très sympa, voilà, avec un beau bois, des très belles lignes, vraiment un quadrillage qui est très bien réalisé. Et ça permet d'avoir vraiment un petit calibre qui est un petit peu hors du commun, qui est très efficace pour la chasse. Personnellement, moi, j'ai été très surpris des coups que j'ai pu faire avec le 28, notamment sur des lièvres, à des distances de plus de 30 mètres. J'étais vraiment très surpris. Et ça permet de changer de ce qui se fait très traditionnellement, comme le 12, le 20, d'avoir vraiment quelque chose. C'est vraiment un calibre à découvrir, le 28, et qui surprendra par ses performances balistiques. Voilà, donc très bon complément de gamme. Et le dernier produit de cette gamme, c'est un 410. Voilà, un 410. Donc toujours le même principe de noyer sélectionné, de gravure. Voilà, ben, on voit ici que les gravures sont plus fines, là, parce que la gravure est plus fine. Donc sur ce 410, on est sur une vraie bascule de 410. On n'est pas sur une bascule de 28 adaptée au 410. Donc, on optimise vraiment le poids. Voilà, les canons à jouer. Donc, un petit fusil qui sera très bien pour faire un usage chasse, on va dire, sur vraiment des gibiers, sur des petits oiseaux, même pour la bécasse. On pourra faire également l'initiation à la chasse ou au tir. Pour le dressage de chiens, c'est très bien parce que c'est des fusils qui ne vont pas avoir un volume sonore énorme et pour dresser un jeune chien, ce sera très, très adapté. Voilà. Et donc, un dernier produit qui compose la gamme que nous n'avons pas aujourd'hui à vous présenter malheureusement, c'est un 12 slug, donc avec un canon de 51 cm, une hausse et un guidon très intuitif pour le tir du gros gibier. C'est un produit qui sera très adapté et très utile pour les trackers parce qu'il est très léger, très compact et il permet vraiment de bien viser très rapidement. Voilà.
Donc, en conclusion, on va parler d'un point qui est très important sur cette gamme-là, c'est le prix des produits. Voilà, je l'ai volontairement gardé pour la fin parce qu'on a vu vraiment que ces produits étaient très, très sympathiques, très bien réalisés au niveau du design, au niveau du poids, tout est bien pensé, tout est bien conçu. Et tout ça, on va pouvoir le retrouver pour des prix allant, pour les modèles les plus classiques, de 590 euros, le prix conseillé armurier, et jusqu'à 690. Donc, pour une fourchette de 600-700 euros, voilà, on a vraiment des fusils qui sont très bien réalisés, qui permettront de découvrir de nouvelles choses en termes, par exemple, de calibre ou de fonctionnalité à un prix réduit. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur cette gamme, j'ai tous les produits en face de moi, donc je peux aisément y répondre. Donc, je vous invite à me poser ces questions. Voilà. Merci Mathieu. On a déjà quelques petites questions qui sont arrivées. La première, donc quelqu'un explique qu'il est bécassier et souhaiterait passer au calibre 28. Quelles sont les déclinaisons de canon proposées par Uglu? Alors, Uglu propose deux déclinaisons de canon, un canon de 71 cm, un canon de 76 cm. Voilà. Donc, dans le cas de la chasse de la bécasse, on va tirer plutôt des oiseaux qui seront prêts. Donc, le canon de 76 n'aura vraiment pas d'intérêt. Donc, moi, je conseille à ce monsieur de partir sur un canon de 71 cm. Et après, il pourra jouer sur ses cartouches, pour avoir vraiment la gerbe adaptée à ses distances de tir. Par exemple, en mettant une bourre grasse avec un petit numéro de plomb, ça fera très bien l'affaire pour chasser la bécasse à courte distance. Ok, merci Mathieu. Quelqu'un d'autre souhaite un fusil qui lui permette de tirer des bécasses ou des faisans au bois? D'accord. Donc là, il va falloir qu'il se choisisse au niveau du calibre qu'il souhaite utiliser, parce qu'on a vu ensemble qu'il y avait plusieurs déclinaisons. Donc, s'il est plutôt adepte du 12, il faudra qu'il prenne le modèle plus passe-partout, le 12 en canon de 71 cm. Et s'il souhaite découvrir quelque chose qui change en termes de calibre, il peut passer sur le 20 ou sur le 28. Ça fonctionnera très bien pour la chasse au bois sur les gibiers qu'on a en France. Et également, il pourra jouer sur ses cartouches pour adapter la distance de tir s'il est d'un milieu un peu plus fermé un jour, d'un milieu un petit peu plus ouvert un autre jour. Voilà. Ok, tu nous as parlé, Mathieu, du modèle Slug. Quelqu'un se demande si on peut y monter un point rouge. Alors, il n'y a pas d'embase sur le fusil, en fait, pour pouvoir adapter un point rouge directement. Donc, ce serait possible via un travail d'armurier, vraiment un travail artisanal, en modifiant le fusil. Mais en tout cas, de série, ce n'est pas prévu d'y adapter un point rouge. Il n'y a pas de rail, par exemple, Picatinny, sur la bascule, enfin sur le canon, pour pouvoir monter de point rouge à l'immédiat. En revanche, j'insiste vraiment sur la qualité des éléments de visée. Du slug, on a donc un guidon, c'est un guidon en fibre optique, qui sont très très intuitifs pour le tir du gros gibier. On sait que ces fusils-là, on va être amené vraiment à tirer à courte distance, hein, jusqu'à maximum 80 mètres, on va dire. Et cette hausse et ce guidon au slug font très très bien l'affaire pour tirer le chevreuil, le sanglier à courte distance. Ok, super. On dit bonjour, les fusils sont-ils éprouvés billes d'acier? Très bonne remarque que je n'ai pas précisé. Donc, tous les fusils, une fois, pour rappeler, une fois qu'ils arrivent de Turquie en France, ils passent tous par le banc d'épreuve national de Saint-Étienne pour avoir cette épreuve billes d'acier. Donc, oui, ils sont tous éprouvés CIP. Ils peuvent tous tirer des munitions acier jusqu'à haute performance. Est-ce qu'on peut utiliser une bretelle et les mettre sur les modèles Slug et les modèles Bécassier? Oui. Hop, je vous reprends le bécassier pour montrer. Donc, tous les calibres 12 sont équipés de séries d'anneaux de grenadière. Donc, on peut très facilement y adapter une bretelle et le porter le fusil à l'épaule. Donc, oui, on peut faire ça très facilement. Ok, merci. Quelqu'un demande quel gibier peut-on chasser avec du calibre 28? Donc, le petit gibier, surtout le petit gibier, pour le gros gibier, ce n'est pas vraiment ce qui se fait de mieux. Il vaut mieux passer sur un calibre un peu plus lourd. Donc, sur le 28, on peut très aisément chasser le petit gibier
de terre, notamment pour la chasse devant soi avec un chien. C'est vraiment un très bon calibre. Je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai tué pas mal de lièvres avec le calibre 28, du faisan. La bécasse, c'est très agréable pour chasser la bécasse parce que c'est un fusil qui est très léger, très maniable. Voilà. Après, pour la chasse du gibier d'eau, ça pourrait faire l'affaire. Il y a des munitions substituts qui existent en calibre 28 également. Donc, vraiment, la chasse prioritairement du petit gibier, la chasse devant soi, le petit gibier de terre. Et éventuellement, en complément, on peut chasser le gibier d'eau. Je pense notamment à la chasse de la bécassine qui fera très bien l'affaire avec le calibre 28. Merci Mathieu. Quelqu'un parmi l'audience signale qu'il n'a pas entendu les fourchettes de prix. Est-ce que tu peux revenir dessus, s'il te plaît ? Aucun problème, aucun problème. Donc la fourchette de prix est entre 590 et 690 euros. Donc à 590, on va retrouver tous les calibres 12. Pardon, tous les calibres 12 sauf le bécassier qui lui est à 690 euros. Le calibre 20 est lui aussi à 590. Et ensuite, à 690, on va retrouver le 28 et le 410. Super, merci. Quels chocs sont livrés avec les fusils ? Très bonne question également. Donc, tous les fusils sont livrés avec 5 chocs, donc les 5 chocs classiques, hein, le lisse, quart de choc, demi-choc, 3 quarts et le full. Donc, il y a 5 chocs qui sont livrés avec. Petite particularité, le 410 est en choc fixe. Donc, c'est quart et trois quarts dessus. Voilà, donc choc fixe. Ils sont tous livrés avec 5 chocs. Et j'en profite pour préciser que tous ces fusils-là sont livrés en mallette. C'est un petit plus, mais c'est vraiment un gage de qualité. Et c'est très sympa pour le transport. On peut démonter son fusil et le transporter très aisément dans cette mallette qui est sympa. Nous, on a ici donc les fameux chocs dont je vous parlais. Donc, on n'en a que 3 dans cette boîte parce que les 2 autres sont montés sur le fusil, évidemment, avec la clé de choc. Une autre question, Mathieu. Est-ce que cette marque propose un modèle automatique ? Alors, non, Huglu ne propose pas de modèle semi-automatique. On est uniquement sur des fusils superposés et juxtaposés. Là, je vous présente la gamme Eagle qui est composée uniquement de superposés. Il y a d'autres produits qui sont juxtaposés sur des bascules acier. Voilà. Par contre, il n'y a pas de fusils semi-automatiques, notamment pour le chasseur de gibier d'eau, qui sont proposés sur la marque Huglu. La société Rivolier propose des produits semi-automatiques d'autres marques, mais pas chez Huglu. Merci. Et je pense qu'on arrivera sur la dernière question. Est-ce qu'il faut des cartouches spécifiques pour le bécassier rayé ? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Je les remontre. Donc, le fusil bécassier rayé a donc un canon lisse, normal, donc avec un choc interchangeable, et un canon rayé. Donc, le canon rayé, pour vraiment être efficace, il va falloir tirer des munitions avec des bourres à jupe dedans. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des marques, comme par exemple Joker, qui proposent des munitions spéciales canon rayé, donc pour la chasse de la bécasse. Hein. Voilà, ici c'est un mélange de 8 et de 10. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut des munitions avec des bourres à jupe pour tirer dans ce fusil bécassier dans le canon rayé. Dans le canon du haut, après on peut mettre ce qu'on veut pour avoir un second coup pour tirer peut-être un peu plus loin. Mais pour le canon rayé, il faut absolument des munitions spécifiques. Voilà. Merci Mathieu. Je crois qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de renseignements, à vous rendre sur le site rivolier.com où vous pouvez trouver l'intégralité des produits de la gamme, ou bien ce week-end jusqu'à dimanche soir, nous rejoindre sur le salon virtuel J'aime la chasse sur notre stand armes et munitions de la société Rivolier et nous contacter via chat, on pourra répondre à toutes vos questions.